Yo, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Israfil et on se retrouve pour un nouvel épisode de Poké Abonné. Alors, j'ai un reflet dégueulasse sur mon écran à cause de ma fenêtre, mais c'est pas grave, on s'en fout. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Je suis un youtubeur qui débute, oui. Et alors, tu sais ce que font les youtubeurs de Poké Abonné en arrivant dans une ville? Ils font leur pub? Non, je pense pas. Ok, les arènes. Ah, première arène alors. Ok, bon ben, je pense qu'on n'a pas le choix. On va aller dans la première arène. Alors, c'est quel type d'arène? Papa. Tiens, mais c'est toi, Israfil. Alors, le déménagement est fini. C'est mon papa. Papa Israfil. Pas du tout. Je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici par toi-même. Oh, je vois, tu es avec tes Poké abonnés. Je suppose que tu vas aussi devenir youtubeur, Israfil. On va essayer. C'est une très bonne nouvelle, j'attendais ça avec impatience. C'est vrai? Non, on va plutôt bosser. J'aimerais avoir un Poké abonné, s'il vous plaît. Hein? Tu es... oh, mais oui, tu es Timmy! Timmy! Le gros mongol. Non, n'est-ce pas? Je vais dans ma famille à Vergazon. Pas mal, la vie. Comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Poké abonné en route. Mais je n'ai pas réussi, je ne sais pas comment faire. Je vois. Israfil, tu as entendu? J'ai entendu. Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un Poké abonné sans risque. C'est vrai que les abonnés sont un peu... dangereux. Agressifs. Bon. Quoi? Il y a eu un Zigzatom. Je vais aussi te donner une Pokéball. Timmy reçoit une Pokéball. Ok, waouh, merci, tu veux bien venir avec moi, vraiment. Ok, je vais me coltiner Timmy. Non, pas du tout. Israfil, les Poké abonnés se cachent dans les autres herbes, comme celle-là, pas vrai? Observe-moi et regarde si j'arrive à en attraper un correctement. Mais sérieux, on est en CP ou quoi? Tarsal. Un Tarsal sauvage apparaît. Mais qui est ce Poké abonné? Zigzatom apparaît. Attaque, charge. Oh, ça va être long. Oh, ça va être long. Dépêche, mon ami. Attaque du Zigzatom baisse. Là. Allez, charge. Rugissement. Mais Zigzatom, te fais pas gueuler dessus comme ça. Réveille-toi, voyons. Alors, Tarsal va-t-il s'abonner à sa chaîne, à la chaîne de Timmy? Il s'est abonné. Apparemment, les tutos lui plaisent. Bravo, bravo, bravo Timmy. J'ai réussi, c'est mon Poké abonné. Au moins, t'as un abonné, c'est bien. Alors, merci, Israfil, retournons à l'arène. C'est parti. Alors, ça a marché. Nickel, papa, t'inquiète. Je vous rends votre Poké abonné. Merci de m'avoir accompagné. C'est grâce à vous deux que j'ai blablabla. Maman m'attend. J'y vais à plus, Israfil. Maman m'attend. Encore un Kevin? C'est pas possible. Vive les Kikou. Bon, maintenant, Israfil, si tu veux devenir un bon youtubeur, voici mon conseil. Va à Mérouville, montre tes fesses, fais le buzz. Quoi? Papa, voyons, quand même. Un jour on s'affrontera, Israfil. Ok. Donc on fera une vidéo en duo, quoi. Ok, donc apparemment je ne peux pas pour le moment me battre contre mon père. Mon visage se reflète dans l'eau. Qui est ce con? Je vois un grand sourire plein d'espoir. Ça pourrait aussi être l'expression d'un silence du livre le temps. Ou ce serait... j'ai pas de mots. Alors, c'est formidable de voyager, c'est vrai. Quand j'étais jeune, je sillonnais les mers et les montagnes. Mytho, tu regardais YouPorn sur Google quand t'étais jeune. Enfin, tu n'es pas Google, je pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour. On rentre chez les gens, on est comme ça.
Norman est le nouveau champion d'arène de notre ville. Norman, sérieux? Norman fait des vidéos? Ok. J'ai affronté Norman une fois, mais il était bien trop fort. C'est vrai qu'il a pas mal d'abonnés quand même. Il a pas mal de Pokéabos, le con. Oh le con. Alors, attendez. Donc, on a Goniki, Totofeu et Kenmaster. Bon, ok, ok. Petit rappel. C'était quoi déjà? Voilà, c'est ça pour courir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu veux, toi? Jean-Kevin, excuse-moi. Laisse-moi deviner. Vu les vêtements que tu portes, tu serais pas un youtubeur Poké-abonné par hasard? Oui. Peut-être pas. Tes vêtements ne sont pas si sales. C'est vrai que les youtubeurs sont un peu crado. Bah, ils se lavent pas. Normal, ils ont pas le temps. Tu es soit un youtubeur débutant, soit un gamer ordinaire. On va prendre plutôt le youtubeur débutant. Je parcours le monde à la recherche de youtubeurs de talent. Tu es bien tombé, mon ami. Désolé de t'avoir fait perdre ton temps. Quoi? Tu te fous de moi? Non mais reviens. C'était un producteur, en plus il voulait faire une série avec moi et tout. Non mais fuck. Bon, c'est pas grave. Je retenterai ma chance. Tu dois être Israfil, n'est-ce pas? Merci d'avoir joué avec Timmy. Il est faible et maladif depuis qu'il est tout petit. Ah d'accord. Ok. Bon, en fait je me suis foutu la gueule de Timmy, mais Timmy est vraiment malade. C'est pas cool, les amis. C'est pas cool. Non, franchement, arrêtez de vous foutre la gueule de Timmy. Bonjour. Si tu veux jeter une Pokéball à Fabi, d'abord le Pokémon sauvage, le Pokéabonné sauvage. Ok. Quelle info. Quoi, t'es pas un dresseur? Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, il y a une Pokéball là-bas. Un item, un objet sur moi. Oula, un Kenmaster sauvage apparaît. Goniki, go! La danse du Goniki. Ouh, ouh. Pistolet à eau, Goniki. C'est très efficace. C'est super efficace. Quel son? Je fais les sons à merveille. Alors attendez, on va voir s'il y a d'autres Pokémon. Parce qu'en général il y a des Zigzatomes dans la région. Est-ce qu'on va attraper un Zigzatome? Encore un Kenmaster. Goniki, go. Oups là, la danse du Goniki. Alors, pistolet à eau, Goniki. Ce n'est rien. Allez, démonte-le. Bravo, Goniki, je t'aime. Pam pam pam. Bon, je veux un Zigzatome, donnez-moi un Zigzatome. Ah, un autre Goniki. Je ne veux pas de Goniki. Un Goniki sauvage apparaît. Il est sauvage. Un Goniki dompté. Mince, pourquoi j'ai fait rugissement? Oh là 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 là, non mais Goniki, s'il te plaît, écoute les ordres. Il y avait un truc comme ça, je crois. Si le... Oula, critique, what the fuck. C'est pas très efficace. Si le Pokémon était plus haut level à cause du badge et tout ça, il pouvait ne pas vous écouter et faire ce qu'il voulait. Concrètement, on s'en fout. Comment ça, rugissement? Pistolet à eau, Goniki! C'est pas très efficace. Bon, je pense qu'on va appeler. On va appeler quelqu'un d'autre. Pas très efficace. Allez, coup critique, fais un coup critique. Un petit coup critique. Un petit coucou. Un coucou critique. Allez, encore deux coups, je pense, et c'est bon. Pourquoi je fight des Pokéabonnés sauvages? Je ne sais pas. C'est les Pokéabonnés des autres, alors. Des autres chaînes YouTube. Alors je me fais une joie de les défoncer. C'est des gens qui ne se sont pas abonnés. Qui n'auront pas le droit. C'est privé, le club est privé, les amis. Ok, enfin. Quel combat. C'était hyper long. Goniki monte au niveau 7. Ultra son, génial. Ça ne sert à rien. Il n'y avait pas des dresseurs ici? Pam 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 pam. Alors, oula, un pêcheur.
tes vidéos ne vont pas marcher, mon ami. Magikarp. Alors, ultrason. Je crois qu'avec ultrason. Oh là là, il utilise trempette. Oh le mec. Oula, rate son attaque, what the fuck. Ultrason, je crois que ça le rend fou, je crois. Je pense. Mais pourquoi il rate son attaque lui aussi? Mais what the fuck, Goniki, tu te fous de moi ou quoi? Goniki, ultrason. Ultrason. Ultrason, maintenant. Mais voyez, il suffit de... Voilà, il est confus. Ça crée la confusion, plus de... Allez, pistolet à eau. Faudrait qu'il se fasse des dégâts lui-même déjà, ce serait pas mal. Oui, je sais, c'est pas très efficace, blablabla. Allez, inflige-toi des dégâts, ce serait pas mal. Mais il est sérieux avec sa trempette de... Je vais changer de Pokémon après parce que j'ai presque plus de PP, je crois que ça s'appelle. Des points pour les compétences. Sur le pistolet à eau. Ah non, j'en ai encore. Il m'en reste la moitié, je crois. Je crois que j'en ai 11 sur 25 encore. Ah, c'est bon. Ok. Combien d'expérience il va me donner? 37. T'es pas sérieux, il était niveau 9. Non mais pêcheur Rémi, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'ai avec les noms aujourd'hui. Alors, Pokémon. Goniki, ordre. On a mis Ken Master devant. Non mais quoi, tu veux pas te battre? Ok, on raconte la merde. C'est trop cool de laisser des traces sur le sable. Alors il y a deux Poké abonnés. Zigzatom, je veux un Zigzatom. Sinon Tom va me tuer. Charge. Oula. Sa charge est pas mal. Mimiqueux. C'était le Ratata non qui avait Mimiqueux je crois dans le rouge. What? J'ai raté mon attaque, il est sérieux. Il me fait Mimiqueux, ça y est, il m'a déstabilisé. Bon je crois qu'il va mourir. Je crois qu'il va mourir. Allez. Toto feu. Go. Griffe Toto feu. Je crois que c'est niveau 9 où j'ai la première attaque feu. Je ne sais plus laquelle c'est. Granipio. Oui, on va changer quand même. On va renvoyer Ken Master histoire qu'il se fasse un peu d'XP. Parce qu'il est en retard, il est niveau 5. Par rapport aux autres, il est un petit peu en retard. Oula. Une noisette. Un gland. Un petit gland. Un gros gland. Go, Totofeu. Alors, est-ce qu'on va attraper un Poké abonné dans cet épisode? Je ne sais pas. Si j'avais une attaque de type feu, ça aurait été tellement bien. Il va mettre coup de tête, mais on voit la source. What? Il est sérieux? Oh là là, et en plus j'ai... Oh là là, je vais mourir, je vais crever, je crois. À mon avis, je crève. C'est pas très efficace. Oh, mais sérieux. Ok. Granipio va me défoncer. Le Granipio fou. Ok, pour le moment il se buff. Ah, GG. Bravo Goniki. Bon Toto, tu étais nul. Non Toto, je pense que c'était pas trop ça. Quel master monte niveau 6, c'est pas mal. Allez, on va au centre Poké abonné pour soigner nos Poké abonnés puisque Toto Feu est mort.
Param param. Ah tiens, peut-être que je ferai une saison peut-être sur un autre Pokémon. Un autre oui, jeu Pokémon donc. Où chaque Pokémon qui meurt, ben je ne peux plus l'utiliser. Voulez-vous le soigner? Oui. Pam pam pararam. Ok, ils sont en super forme. Allez, on va aller vers je ne sais pas, vers la prochaine ville peut-être. Oh, je cours avec mes baskets. Oula. Qu'est-ce que c'est? Un Ken Master sauvage apparaît. Go Ken Master. Alors, attaque charge. Charge Ken Master. Bon, le plus haut level. On a un Ken Master dompté. Un mec qui a liké pas mal de vidéos. Il sait ce qu'il fait, il sait ce qu'il fait. Bien joué Ken Master. Corps. Un Zigzatome. Ah non. Un Chenilite. Un Chenilite apparaît, il me le faut. Il me faut le Chenilite. Oh, la vitesse du Kenmaster baisse. Charge. Ouais, encore un. J'espère qu'il ne va pas mourir. Allez. Charge, ne le tue pas. Très bien. Sac. Oup. Pokéball. Allez. Vas-y, Chenilite. Abonne-toi, Chenilite. Chenilite s'est abonné. Énorme. Énorme, énormissime. Et hop. Chenilite est attrapé. Il s'accroche aux branches des arbres. Alors là, Chenilite, je ne savais pas. Et mange leurs feuilles. Pas mal. Oui, Chenilite. J'allais dire. Chenilite. Hop. Allez, on va les soigner. Comme ça, on aura Chenilite avec nous. Ok. Bon, je veux me battre, moi. Il me faut des youtubeurs, il me faut des arènes pour combattre des youtubeurs. Où est-ce que je peux trouver ça? Ah. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Cottage de monsieur. Bon, ben avant d'entrer là-dedans, est-ce qu'on peut pas récupérer la Pokéball qui est là-dedans? Voilà. On récupère les baies. Je vais voir quel genre de Pokémon il y a là-dedans aussi. Kane Master. Un Poké abonné Kane Master apparaît. Oula, coup critique. Non, mais pourquoi moi je fais pas de coup critique? C'est ça le truc. Tous les Poké abonnés sauvages font des coups critiques. Sauf les miens. Les Poké abonnés ils n'ont pas envie. Ils s'endorment sur le chat, c'est pour ça. Oula. C'est très dur ce combat. Pourquoi pas? Mais tu es une youtubeuse, bon j'ai pas trop envie de te faire mal. Qu'est-ce qu'elle va lancer? Zigzatome niveau 7 d'ailleurs. Je vais plutôt envoyer Totofeu. Parce que les Zigzatomes ça fait mal. La charge des Zigzatomes fait mal. Attaque griffe.
pour le moment, c'est assez simple. Hein. J'ai pas vraiment les Poké-abonnés que je veux. Les Poké-abonnés fidèles. Non, pas du tout. Ça va venir. Bien sûr, je veux Rayquaza, le Poké-abonné légendaire. Je ne sais pas à qui je filerai le nom de Rayquaza. Je ne sais pas encore. Quel pseudo? Je verrai. Il faut un Poké-abonné fidèle pour ça. What? Comment ça, guérison? Mais comment ça, guérison? Il est sérieux? Elle est sérieuse? Hop, hop, hop. Vous pouvez me dire aussi, vous, les Poké-abonnés, dites-moi si... au niveau des épisodes, est-ce que c'est trop lent ou est-ce que ça vous va? Est-ce que vous avez envie que j'aille plus vite, que je coupe certaines choses? Bref, etc, etc. N'hésitez pas à me le dire. Je parle bien sûr du temps des épisodes et de ce que j'en fais. Non pas du temps où je les poste. Je crois qu'il va me tuer. Ok, il a tué Totofeu. C'est comme ça. Non mais c'est comme ça, je cherchais pas. Tant mieux. Totofeu, tu meurs. Totofeu, c'est l'appât. Ça cause de sa guérison aussi. J'avais pas fait gaffe, j'étais en train de parler, bref. Attaque, charge. Chenipote normalement. Allez, chenipote. Allez, tu peux le faire. Bien joué. Chenilite, pardon. Chenilite. Chenilite level up. Oh non, presque. Bon, alors les amis. Je pense qu'on va, voir ce qu'il y a là-dedans. Et puis on va s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera dans le prochain épisode. C'est un épisode assez court. On se retrouvera dans le prochain épisode. Je pense qu'on va rentrer dans les bois. Si c'est la suite, je ne sais plus. Faut que j'aille voir dans la maison aussi en bas ce qu'ils vont faire. Ken Master va crever. C'est pas grave. Voilà, il crève tant mieux. Pourquoi? Parce que Chenilite. Parce que Chenilite, c'est tout. Oh, Kane Master Sauvage rate son attaque. Voilà. Chenilite gagne tout l'XP. Très bien. Bravo, bravo Chenilite. Bravo. Darvenin. Ah, nice. Très bien. Très très bien. D'ailleurs, on va le mettre devant. Ok, abonné, Ken Master, ordre, Chenilite. Bon, alors pendant que je vais soigner mes Poké abonnés, on se retrouve les amis dans le prochain épisode. C'est pas possible. On se retrouve les amis dans le prochain épisode. Salut à tous!